commissioner. Italy, we're all Italian journalists here, so we just heard you before. Are you going to give Italy its seal of approval at the end of November? Must be patient about that. We are going to deliver our opinions before the end of the month in November, and so I will still be present as I am for this Eurogroup. As I said, the discussions with the Italian government were very constructive. We appreciate that the government is in the full European spirit, that we had a work which was absolutely transparent, and we had an exchange of letters which was of a very different quality than last year. We never thought about rejecting the Italian budget, but still we have an exchange of letter and we've asked for some precisions. And due to this exchange of letter, we will be capable of delivering an opinion. As I said this morning, and I want to be clear about that, there is no question to open an excessive deficit procedure against Italy now. But of course, we are looking and sometimes worrying about the Italian public debt, and this is a question that will be discussed on and on, again and again, in the next months and years. I think Italy needs to be a leader in the Eurozone, and for that to be fully committed to the European rules, it will be up to my successor, Paolo Gentiloni, who knows a bit about Italy, to deal with that. It sounds like... Vous êtes content qu'au final, M. Scholz vient avec la proposition du CERD. Avec le système de banking. Oui, je salue l'ouverture qu'Olaf Scholz a faite sur la garantie des dépôts. Il se trouve que je suis maintenant le plus ancien membre de l'Eurogroupe dans la salle, pour pas longtemps, puisque j'aurai un successeur, j'espère, très vite, dans un mois ou moins d'un mois. Et j'étais déjà là en 2012 quand nous avons lancé l'union bancaire. Et une chose était très claire, c'est que l'union bancaire, c'était trois piliers. C'était la supervision, regarder ce qui se passe sous le capot des banques, en quelque sorte. La résolution, qu'est-ce qui se passe si une banque fait défaut. Et enfin, la garantie des dépôts, comment protéger les déposants. Et depuis 2012-2013, de la part de l'Allemagne, ça a été un circulé, il n'y a rien à voir. Autrement dit, non, nous ne voulons pas en parler, ça n'est pas une question. Il y avait des blocages qui étaient manifestes et l'ouverture de l'Olaf Scholz lève ce blocage. Après, il y a une proposition de la Commission sur la table, il y a de nombreuses positions nationales et on sait qu'il y aura encore des divergences, des différences de point de vue. Et il faudra trouver le bon équilibre entre ce qu'on appelle la réduction des risques, risk reduction, et de l'autre côté, le partage des risques, risk sharing. Autrement dit, la sécurité et la solidarité. Et je pense qu'un bon système de garantie de dépôt, par définition, suppose sécurité et solidarité. De ce point de vue-là, peut-être la proposition allemande devra-t-elle être encore ouverte. Mais en tout cas, saluons le fait qu'on peut en parler, et on va en parler aujourd'hui même dans l'Eurogroupe en format inclusif, dans la deuxième partie de l'après-midi. Apparemment, les propositions que Scholz a faites, ce ne sont pas des propositions faites par le gouvernement allemand, mais que par lui-même. Donc vous pensez que c'est un problème pour les négociations, que c'est un ministre qui propose, qui fait des propositions qui ne sont pas des propositions qu'ils ont faites par le gouvernement? Écoutez, moi, je ne veux pas faire de commentaires sur la situation politique en Allemagne. Il est déjà très important que le ministre des Finances, qui est aussi le vice-chancelier, qui est un responsable éminent, et puis qui sait peut-être le président du SPD dans quelques semaines, s'avance là-dessus. Et j'ai quelques raisons de penser que si on veut avoir une grande coalition, eh bien, il vaut mieux être capable de respecter les positions de chacun. Et donc, je suis assez optimiste sur le fait que cette avancée proposée par Olaf Scholz puisse devenir ensuite la position de tout le gouvernement allemand et qu'elle puisse notamment être défendu pendant la présidence allemande de l'Union européenne l'année prochaine. Just going back to the Italian economy, what you said before, does it mean it seems like you like this government much better than the one before that was included Salvini? Nothing is sentimental. The question is not who I like or who I dislike. The question is objective. For me, I love Italy. Of course, I care about who governs Italy, but it's up to the Italian people to decide that. What is important to me is that Italy is conscious, and the Italian government is conscious, that the place of Italy is at the heart of the Eurozone, that the Eurozone cannot be successful without a strong Italy, and that a strong Italy needs also a strong Eurozone, and so to play by the rules. And I must say that, of course, the pro-European spirit
of this government and the capacity to work with my colleague and friend Roberto Gualtieri are much higher than last year, although I want to pay tribute also to Giovanni Tria, who was quite courageous in the political situation, what's not that easy. But well, now we've got a pro-European government and it's much easier to work with them. It's not a question of who I like and who I dislike, it's just a question of the spirit with which we can work together. Thank you.